Chers mesdames et messieurs, chers collègues, donc c'est aujourd'hui notre meeting, the weekly meeting of cardiologie A2, Mustapha Hospital. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu les nouveautés de l'ESC 2021. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'insuffisance cardiaque? Heart failure, what's new? On commence par docteur Katia Mouzaoui, je suppose. À toi la parole. Bonsoir à tous. Nous nous présentons, mes chers collègues, docteur Mouzaoui, docteur Djouhri, ainsi que moi-même, docteur Netta Achour. Nous sommes résidentes au service de cardiologie A2 au CHU Mustapha Bacha, dirigé par notre chef de service, le professeur Salim Ben Khedda. Nous avons été encadrés par notre référente en insuffisance cardiaque, le professeur German. Nous sommes donc ravis de vous présenter les principaux highlights concernant les nouveautés de l'insuffisance cardiaque abordées lors du dernier congrès de la Société européenne de cardiologie il y a quelques jours. Attendez. Voilà. L'année 2021 est l'année de l'insuffisance cardiaque. On a eu de nombreuses nouveautés et des révisions concernant plusieurs volets. On va essayer de vous détailler aujourd'hui les principaux chapitres. Concernant la définition de l'insuffisance cardiaque, qui n'a pas vraiment changé de celle de 2016, donc il s'agit d'un syndrome clinique associant des symptômes avec ou sans signe d'insuffisance cardiaque qui est dû à une anomalie cardiaque structurelle et/ou fonctionnelle, causant une élévation des pressions intracardiaques et ou un débit cardiaque inadéquat, que ce soit au repos ou à l'effort, ou les deux. Dans la pratique courante, plusieurs profils de patients insuffisants cardiaques peuvent se présenter à notre consultation. Nous allons donc essayer de les illustrer à travers trois cas de figure. Commençons par le premier profil, représenté par ce petit papy de 65 ans, diabétique, qui consulte pour des symptômes à l'ECG, on retrouve un rythme sinusal avec un aspect de bloc de branche gauche typique, dont la largeur est à 140 millisecondes. À l'échographie cardiaque transthoracique, on objective une cardiopathie dilatée avec une FE à 30%. Le deuxième cas de figure, c'est ce jeune homme de 40 ans, tabagique, hypertendu, avec des antécédents de coronaropathie, qui se plaint d'une toux nocturne avec à l'ECG des ondes Q de nécrose en inférieur. À l'échocœur, on retrouve une hypokinésie en inférieur et une FE à 45%. Enfin, on termine par cette petite mamie de 80 ans avec plusieurs comorbidités qui se plaint de dyspnée nocturne paroxystique avec à l'ECG une FA. À son, plutôt à l'ECG, oui, à une FA à 100 battements par minute, une écho qui met en évidence un ventricule gauche hypertrophié avec une FE à 55%, une oreillette gauche dilatée, le dosage de NT-proBNP est à 400 picogrammes par millilitre. Ces trois profils répondent à la définition de l'insuffisance cardiaque citée précédemment, mais allons-nous les traiter de la même manière? Ces nouvelles recommandations de l'ESC sont restées fidèles à la fraction d'éjection comme critère de classification. Donc, on a l'insuffisance cardiaque à FE réduite. La définition n'a pas changé, c'est-à-dire que la FE doit être inférieure ou égale à 40% en présence de symptômes plus ou moins signes d'insuffisance cardiaque. C'est le cas du premier cas de figure. Par contre, la grande nouveauté de cette classification, c'est le changement de la nomenclature de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection mid-range ou intermédiaire qui est devenue mildly reduced, c'est-à-dire modérément réduite. Pourquoi ce changement? En effet, l'analyse rétrospective des études cliniques randomisées chez les patients en insuffisance cardiaque à FE réduite et à FE préservés, incluant ceux avec une FE entre 40 et 50%, ont suggéré que ce groupe pourrait bénéficier des mêmes thérapies que ceux dont la FE est réduite,
De plus, cette population présente un profil clinique similaire à AFE réduite. Donc, ça touche beaucoup plus les hommes jeunes coronariens avec moins de comorbidité. Néanmoins, ils présentent un meilleur pronostic que ceux à AFE réduite. Notons également que les anomalies structurelles, fonctionnelles et biologiques qui étaient obligatoires en 2016 ne le sont plus, mais leur présence conforte le diagnostic. Ceci est représenté par le deuxième cas de figure. Enfin, l'entité d'insuffisance cardiaque à AFE préservée est définie par la présence de symptômes plus ou moins signes d'insuffisance cardiaque avec une AFE supérieure à 50% associée à des signes d'atteinte cardiaque structurelle et ou fonctionnelle avec présence de dysfonction diastolique, d'élévation des pressions de remplissage, incluant une élévation des peptides natriurétiques. C'est le cas de notre petite mamie. Ces recommandations proposent un tableau avec des critères simples pour permettre une approche pragmatique pour tout cardiologue qui se base sur la masse VG indexée, l'épaisseur pariétale relative, le volume de l'oreillette gauche indexé, le ratio E sur E prime au repos, la vitesse de l'insuffisance tricuspide et la PAPS au repos, et enfin le dosage des peptides natriurétiques. Plus on a d'éléments parmi ces critères, plus le diagnostic d'insuffisance cardiaque à AFE préservée est probable. Voici l'algorithme diagnostique de l'insuffisance cardiaque chronique. On ne note pas de grands changements par rapport à celui de 2016, mis à part les peptides natriurétiques qui ont gagné de la place dans cet arbre diagnostique. En effet, ils doivent être réalisés prioritairement d'insuffisance cardiaque. Et dans de très rares cas où la probabilité diagnostique est forte ou que ce dosage n'est pas disponible, on peut passer directement à l'écocœur. D'ailleurs, il est recommandé en classe 1B alors qu'il était en classe 2A. Revenons à notre patient avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Alors, comment va-t-on le traiter? En matière de traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, la principale nouveauté est l'apparition de quatre classes thérapeutiques de première ligne. Alors, on a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et l'association sacubitril-valsartan en remplacement à ces derniers, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone et les inhibiteurs de SGLT2, à savoir dapagliflozine et lompagliflozine. Donc, comme vous le voyez, les IEC, les bêta-bloquants et les anti-aldostérone, rien n'a changé. Ils sont toujours recommandés en classe 1. La grande nouveauté est l'entrée en force des inhibiteurs de SGLT2, à savoir dapagliflozine et empagliflozine, qui ont prouvé dans les études DAPA-HF trial et Empiro-Reduce trial une diminution significative de la mortalité et de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Elles sont recommandées en classe 1A et sont donc considérées comme molécules stars de ces recommandations. Enfin, les ARNI sont recommandées en remplaçant les IEC en classe 1B. Mais il faut savoir que ces molécules peuvent être introduites chez les patients naïfs d'IEC en classe 2B avec un niveau de preuve B. Donc, pour améliorer la survie, chaque patient en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite doit recevoir un médicament de chacune. Tous les
fibrillation. On a aussi noté l'avènement d'une nouvelle molécule, le vericiguate, suite aux résultats de l'étude Victoria publiée dans l'ACI 2020. Ce traitement a démontré une diminution significative de la mortalité cardiovasculaire et des taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients ayant une aggravation de leur insuffisance cardiaque malgré la trithérapie optimale. D'où une nouvelle recommandation qui apparaît. Le vericiguate peut être considéré. Une autre étude, l'étude GALACTIC-HF, qui a testé un stimulateur de la myosine, l'omecamtiv mecarbil. On note une diminution de décès cardiovasculaires et de première hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 8%. Cette molécule n'est pas incluse dans ces nouvelles recommandations, mais pourrait être considéré dans le futur. Revenons à notre patient. On l'a revu après 4 mois. Actuellement, sous quadrithérapie à dose maximale tolérée, mais sans amélioration clinique, malheureusement, ni d'ailleurs échographique. À l'ECG, on retrouve toujours un bloc de branche gauche typique à 140 millisecondes. Notons que pendant son suivi, notre malade a bénéficié d'une coronarographie vu sa forte probabilité pré-test de syndrome coronarien chronique ici à 27% et la présence d'une dysfonction VSO. Cette dernière est revenue sans lésion significative. Juste pour attirer votre attention par rapport à l'indication de la coronarographie chez les patients en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, en cas de probabilité pré-test intermédiaire à LD et la présence d'ischémie au test non invasif qui a pris de recul en passant d'une classe 2A à une classe 2B dans ses recommandations. Maintenant, quelle est la place des dispositifs implantables dans ce cas-là? Une nouveauté par rapport à l'indication du CRT chez les patients qui sont en rythme sinusal avec un bloc de branche gauche d'une durée entre 130 et 149, une FE inférieure ou égale à 35%, malgré la thérapie médicale optimale, cette recommandation elle a reculé d'une classe 1 à une classe 2. Ceci suite au suivi des patients qui étaient inclus dans les études MADIT CRT long terme et l'étude RAFT. Ils étaient suivis à long terme et ces deux études ont démontré que le bénéfice du CRT était moindre par rapport à ceux qui avaient un BBG dont la durée dépasse les 150 millisecondes. Il y a aussi des révisions sur l'indication du défibrillateur en prévention primaire sur le risque de mort subite dans la catégorie des patients avec une cardiopathie non ischémique qui est passée d'une classe 1 à une classe 2. Et en fait, ces changements dans cette catégorie-là, c'est en partie en rapport avec les résultats de l'étude Danish, mais également, c'est secondaire aux grandes avancées du traitement de l'insuffisance cardiaque représentées par les ARNI, mais aussi les inhibiteurs du SGLT2. Là, c'est une analyse post-hoc dans l'étude DAPA-HF qui a été présentée lors de ce dernier congrès de l'ESC 2021, très intéressante, qui a évalué l'effet de la molécule dapagliflozine dans la prévention du risque de mort subite et des arythmies ventriculaires.
Elle a démontré une réduction de 21% en ce qui concerne les arythmies ventriculaires et le risque de mort subite. Avec ces résultats négatifs de l'étude Danish et l'effet de ces traitements modernes de l'insuffisance cardiaque sur la prévention primaire de la mort subite, ces deux points ont ouvert un grand débat très intéressant pendant ce dernier congrès qui a soulevé une question. Est-ce que le médical moderne va rendre l'indication du défibrillateur dans la prévention du risque de mort subite obsolète chez cette catégorie de patients qui ont une cardiopathie non ischémique? En réalité, il s'agit d'un groupe hétérogène qui comprend plusieurs types de cardiopathie dont certains présentent un haut risque de mort subite. Parmi elles, on peut citer l'amylose, la sarcoïdose ou les laminopathies. Et donc, finalement, le défibrillateur garde tout de même sa place dans ces types de patients, mais nécessite une approche individuelle pour stratifier le risque de mort subite. Concernant les thérapies chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite, les diurétiques sont toujours recommandés pour réduire la congestion, comme ses autres amis, les insuffisants cardiaques à FE basse ou FE préservée. En ce qui concerne les principales thérapies utilisées dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à FE réduite, ces dernières peuvent être utilisées en classe 2B, niveau de preuve C. Ce faible niveau de recommandation est basé sur l'analyse, sur des analyses rétrospectives de sous-groupes de grandes études dédiées aux insuffisants cardiaques FE réduites ou préservées. Mais au fait, il n'y avait pas d'études randomisées prospectives performées exclusivement pour cette entité. C'est pour cela que ce niveau de preuve est de 2B. Pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il faut retenir deux messages principaux. Les diurétiques sont prescrits en cas de congestion comme les autres types de thérapie, mais pour les autres molécules, il n'y avait pas d'efficacité prouvée. Mais surtout, il faudrait bien traiter les étiologies de ces patients et bien traiter toutes leurs comorbidités. Peut-être les données vont changer avec les derniers résultats de l'étude EMPEROR-PRESERVED qui n'ont pas été pris en compte dans ces recommandations. Cette étude a testé l'efficacité de l'empagliflozine dans la réduction d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et décès cardiovasculaire. Et c'est pour la première fois que cette molécule a prouvé son efficacité dans cette tranche de patients insuffisants cardiaques à FE d'éjection préservée, ce qui pourrait peut-être bouleverser les prochaines recommandations. Maintenant, on va voir quelques nouveautés sur l'insuffisance cardiaque aiguë. Ces nouvelles recommandations proposent un algorithme sur la démarche diagnostique de l'insuffisance cardiaque aiguë. On ne note pas beaucoup de changements. Comme vous le voyez ici, l'écho pulmonaire figure parmi les examens à pratiquer pour conforter le diagnostic de congestion. On a l'habitude de pratiquer cet examen au service. D'ailleurs, on voit Dr Mousaoui en train de chercher les queues de comète. On a aussi une nouvelle classification de l'insuffisance cardiaque aiguë en quatre catégories. La décompensation cardiaque aiguë, l'œdème aigu du poumon, l'insuffisance cardiaque droite isolée et le choc cardiogénique. Chaque catégorie est caractérisée par sa physiopathologie, sa présentation clinique ainsi que sa prise en charge thérapeutique. Pour le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, je vous présente cette plaque que je trouve très importante car elle nous montre comment prescrire les diurétiques de manière bien codifiée chez les patients en insuffisance cardiaque aiguë. Si le patient est naïf des diurétiques, il faut mettre 20 à 40 mg en IV de furosémide. Sinon, il faut mettre une à deux fois la dose prise par voie orale en IV. L'analyse de spot urinaire et de débit urinaire 2 à 6 heures après
permettra de guider la prochaine dose. En effet, si la natriurèse est supérieure à 50, voire à 70 milliéquivalents par litre, ou bien si le débit urinaire est supérieur à 100, voire à 150 millilitres par litre, il faut juste répéter la même dose en IV 12 heures après. Sinon, en cas de non-réponse, il faut doubler la dose en IV. Il faut refaire la même analyse en cas de non-réponse. Et cette fois-ci, il faut penser à la combinaison des diurétiques. D'ailleurs, la combinaison d'un thiazidique à un diurétique de l'anse a grimpé d'une classe 2B à une classe 1A. 2A plutôt. D'une classe 2B à une classe 2A. On a aussi d'autres nouveautés concernant l'utilisation des vasodilatateurs qui étaient considérés parmi les principales molécules dans la thérapie de l'insuffisance cardiaque aiguë et qui ont perdu leur intérêt et passé en classe 2B, si la pression artérielle le permet, parce qu'ils n'ont pas en fait prouvé leur intérêt en matière de survie. Utilisés surtout en cas d'œdème pulmonaire aigu, vu dans la précédente classification. Enfin, l'utilisation de routine des opiacés dans le cas d'insuffisance cardiaque aiguë n'est pas recommandée. Mais surtout, avant de clôturer ce chapitre de traitement, j'insiste sur la partie pré-discharge et early post-discharge qui est une période très très importante. Cette période, elle est importante dans la prise en charge des patients hospitalisés pour une poussée aiguë d'insuffisance cardiaque. On tient à ce que ces patients soient bien décongestionnés avant leur sortie. Il faut essayer d'optimiser et de maximaliser le traitement oral avec les quatre classes thérapeutiques dont on dispose avant la sortie. Et puis, ces patients doivent être revus très précocement à un délai de 1 à 2 semaines pour réévaluer les signes de congestion, la tolérance au traitement et surtout pour essayer de titrer le traitement. Un mot sur la supplémentation en fer en IV qui doit être considérée en cas de déficit en fer, non seulement pour améliorer les symptômes, une chose qu'on connaît déjà en 2016, mais aussi pour la réduction d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, qui a été démontré récemment grâce aux résultats de l'étude AFFIRM Acute Heart Failure. Concernant la fibrillation atriale, les anticoagulants doivent être au minimum considérés chez cette population qui a au moins un facteur de risque thromboembolique dans le score de Schatzbach, qui est déjà l'insuffisance cardiaque. Et les AOD, les anticoagulants oraux directs, sont maintenant préférés aux AVK. C'est une recommandation de classe 1. Il y a eu des changements dans la stratégie de contrôle de la fréquence cardiaque en termes de F1. En 2016, les bêta-bloquants étaient recommandés en classe 1. Et maintenant, ça a reculé en classe 2A. Et ceci, en fait, c'est en rapport avec une méta-analyse qui a démontré qu'il n'y avait pas de bénéfice quant à la réduction des admissions pour insuffisance cardiaque et dans la réduction de la mortalité dans ce groupe de patients insuffisants cardiaques en FA et avec un bloc, un bêta-bloquant. Enfin, l'ablation de la fibrillation atriale est passée d'une classe 2B à une classe 2A chez les patients en insuffisance cardiaque avec une FA paroxystique ou persistante et une aggravation des symptômes malgré la thérapie optimale. Et ceci, c'est grâce aux différents résultats des études qui ont été publiées. Parmi elles, on citera l'étude CASEL-AF, l'étude AMICA et l'étude CABANA. Pour finir, on vous présente cette nouvelle étude
abordée pendant ce congrès de 2021, c'est l'étude APAF-CRT Trial, qui a comparé une stratégie pharmacologique conservatrice contre une ablation du nœud atrioventriculaire avec une mise en place d'un CRT chez des patients en FA permanente, sévèrement symptomatique et un QRS fin, c'est-à-dire inférieur ou égal à 110 millisecondes. Elle a démontré une supériorité significative de la stratégie invasive dans la réduction de la mortalité de toute cause, et ceci que la dysfonction VG sévère soit présente ou pas. Vous verrez les changements des recommandations de la resynchronisation dans les prochains meetings qui seront présentés par nos collègues. On vous remercie pour votre attention et votre patience. On laisse le professeur German conclure. Allez, German. Où est German? Ben, German n'est pas là. Dalia German. Okay. Peut-être c'est un problème de connexion. Hein? Allez, German. Allô? Allez, vas-y. Vas-y, German. Instable, je vais faire vite. Alors, voilà, bravo les filles pour la présentation. Juste pour les nouveautés, pour les cardiaques, en fait, pourquoi on a aujourd'hui décidé d'avoir... On ne t'entend pas, German. Tril, Valsartan et les inhibiteurs SGLT2, qu'on les a inclus avec des degrés de recommandation qui sont un peu juste différents. Première des choses. Deuxièmement, pour l'essence cardiaque FE préservée, en fait, elle a souffert, enfin, durant ces dernières années, elle a souffert du fait qu'on n'a pas eu le réflexe d'éliminer. Vous m'entendez? C'est coupé, c'est un peu coupé. Ta voix est coupée, un peu saccadée. Un problème de connexion. Hein. Tu as un problème de connexion. C'est parti. Bon, Malina. Bon, merci. Hein, merci pour cet excellent exposé. Donc, on ouvre les questions. Et je commence par... vous m'entendez? Vous m'entendez? Hein? Et je commence par une question. Et quelle est la place des ARA2? On n'a pas vu les ARA2 parmi les 4 médicaments que vous avez cités. Hein? On n'a pas vu les ARA2. On a parlé de la place des ARA2. Peut-être qu'il y a un problème de connexion. Vous m'entendez là? Ah, oui, ça part. Oui, vas-y. Alors, pour les ARA2, ils sont recommandés en classe MB en cas d'intolérance aux IEC et en cas d'intolérance aux ARA. Allô? C'est-à-dire? Vas-y. German, on t'entend, vas-y. Tu n'as pas une bonne connexion. Hein, reprends les ARA2. Les ARA2. Reprends-nous les ARA2, peut-être que... Donc, ils sont en classe 2B. C'est plus en classe... C'est en classe 2A. Oui, alors, NARBIS, use of toyotinase or RNI. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, quand un malade ne tolère pas un IEC, on donne un RNI. C'est ça? Oui. C'est plus comme avant où on donnait un ARA2. Ça vient en troisième position, en fait, en cas d'intolérance aux IEC et aux RNI. Et en cas de préservé, de fraction d'éjection préservée? Ces recommandations ont dit qu'il n'y a aucun traitement utilisé en cas d'insuffisance cardiaque réduite n'a prouvé son efficacité en matière de mortalité. Mais on a vu la nouveauté qui n'était pas prise en compte. Les inhibiteurs de la CGLT2 qui vont être intégrés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, ça a été dit. D'ailleurs, ça a été dit par Zanat,
qui a piloté, je pense, l'étude. Et Gal, c'est un peu le résultat est un peu tardif, sinon on aurait changé les recommandations. C'est ce qu'il a dit en matière de HuffPuff préserve. Bon, le débat est ouvert. Hein. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, allez-y. Allez-y, allez-y. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Bien sûr. Bon, bonsoir les résidentes. Vous avez bien présenté à Tekoum Saha. Alors, je voulais savoir, tout à l'heure, quand vous avez parlé des recommandations du défibrillateur dans la prévention de la mort subite, tout ça, dans la cardiopathie, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, donc, ils ont trouvé du recul. Mais je pense que cette conclusion doit être prise avec précaution. Pourquoi? Parce que on a introduit donc les SGLT2 et l'indication du défibrillateur. Je pense qu'il faut comparer l'effet du défibrillateur avec les effets sur les SGLT2 et les ARNI, justement pour dire est-ce que la baisse de la mortalité, elle est réduite par l'un ou par l'autre. Et justement, l'association des deux, est-ce qu'elle ne ferait pas encore mieux? Donc, ça, c'était pour la question sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Donc, si vous pouvez revenir sur ça. Après, je poserai une autre question sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Merci. Vas-y, Naït. Naït Achour, revenez à la diapo. Donc, on vous remercie pour cette excellente question. Alors, pour la thérapie moderne, on a essayé d'aborder ce chapitre, d'ailleurs, qui a suscité un grand débat pendant ce congrès de l'ESC, qui a posé la question c'est-à-dire la diminution de mort subite et d'arythmie cardiaque chez les patients avec traitement moderne inhibiteur de SGLT2. Mais on a dit aussi d'un autre côté qu'il s'agit d'un groupe hétérogène de patients et chez certains patients, il faut stratifier aussi le risque, tel que les patients atteints de sarcoïdose cardiaque, d'amylose et de l'aminopathie. Donc c'est vrai que ces thérapies modernes, elles ont amélioré le pronostic en matière de mort subite, mais aussi il faut prendre d'autres facteurs en fait en considération. Donc ça reste vraiment un grand débat. Par exemple, pour l'amylose, dans l'amylose, en général, il n'y a pas d'indication à mettre un défibrillateur, sauf si c'est des troubles du rythme qui sont très graves, récurrents, qui ne répondent pas au traitement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ultime pour ne pas laisser le patient mourir. Et je pense que dans l'amylose, même ces nouvelles molécules ne sont pas encore indiquées dans l'amylose ou les laminopathies, par exemple. Sachant que ce sont des pathologies les plus graves, à risque rythmique les plus graves, amylose, laminopathie et secondairement la sarcoïdose. Et c'est pour cela que je pense qu'il faudra vraiment les comparer, défibrillateurs, à ces nouvelles molécules. Je voulais aussi poser une question donc, sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préserver la place des bêta-bloquants, sachant que les bêta-bloquants agissent justement sur la fonction diastolique. Ils ont une action sur la fonction diastolique, l'amélioration de la relaxation et de la période de la diastole. Mais on n'a pas vu dans ces recommandations leur place et même leur place dans la fibrillation atriale où les bêta-bloquants, en principe, même s'ils trouvent que les autres molécules vont améliorer la mortalité et les hospitalisations, mais la place des bêta-bloquants dans la fibrillation auriculaire pour ralentir la fibrillation auriculaire, sachant que c'est une action, ça a une action aussi symptomatique. Mis à part la mortalité, mais là, on n'a pas vu leur indication dans ces deux pathologies.
Effectivement, pour les bêta-bloquants, ils n'étaient pas cités. D'ailleurs, pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il n'y avait aucun médicament en matière d'amélioration de mortalité. Ceci est par rapport aux études, en fait, parce qu'il n'y avait aucune étude positive jusque-là, hormis l'empereur préserve qui vient sortir. Donc, c'est par rapport aux résultats d'études qu'ils n'étaient pas pris en compte dans cette population. Et malheureusement, non convaincante jusque-là. Maintenant, pour ce qui concerne la fibrillation atriale, on a parlé de recul de la place des bêta-bloquants qui ont passé d'ailleurs d'une classe 1 à une classe 2A pour le contrôle de la fréquence cardiaque. Parce qu'en fait, suite à une méta-analyse, ils ont vu qu'il n'y avait pas assez d'arguments. Donc, ça a reculé sur ces recommandations. Je pense que le recul dans la fibrillation atriale était plutôt pour favoriser l'ablation de la fibrillation atriale. C'est elle qui a pris de la place, l'ablation, oui, par rapport justement, donc pour améliorer, pour inciter plutôt ou favoriser l'indication de l'ablation. Même la digoxine, est en 2A là, non? La digoxine. Oui, elle est en 2A en cas d'intolérance au bêta-bloquant ou bien de contre-indication ou d'une réponse insuffisante. L'insuffisance cardiaque, oui. C'est-à-dire que ça n'a pas changé. Pour la digoxine, ça n'a pas changé. Elle était pas en 2B? Non. Comment? La digoxine, elle Non, elle n'était pas en 2B. Non. Mais docteur Bourhla, les deux recommandations, les bêta-bloquants avaient pris du recul parce qu'il n'y avait, pas de signification en termes de mortalité. Mais l'ablation du cathé, elle est montée d'une classe, l'ablation du cathé de la FA, elle est montée d'une classe 2B à une classe 2A, c'était par rapport à l'amélioration des symptômes. C'était deux trucs différents. Bon, ça, on va en parler. Je vous ai dit les bêta-bloquants. On va en parler. Je dis que les bêta-bloquants, même s'ils ont perdu de la place, mais ils restent indiqués sur le plan symptomatique dans la fibrillation atriale, sur la réduction de la fréquence cardiaque. Chauffe, il y a une présentation sur ça la prochaine fois. C'est ça, Naït Ashwa. Hein? Oui, exactement, on verra ça. Donc, on laisse cette discussion qui est encore plus profonde. Oui. On peut l'approfondir encore plus, mais il faut la laisser pour la prochaine fois. Oui, on verra ça. Voilà, donc c'est prévu. Le pacing et la stimulation, oui. Allez, Azouz a une question. Deux participants ont levé la main. Alors. Qui est-ce qui a levé la main? C'est Boras. Jermal. Là. Jemal. Jemal a levé la main. Jemal. Donc, bonsoir tout le monde. Je tiens à féliciter mes chers collègues. Très bonne présentation, elle est explicite. Et moi, je tiendrai à souligner un point. C'est que, voilà, on a les Fantastic Four, les quatre médicaments. Mais comment on fait? Parce que dans les recommandations de 2016, il y avait le traitement séquentiel. Donc, on commence par un bêta-bloquant, NUC, puis après, on va introduire le MRA. Et maintenant, il y a le SGLT2. Où est-ce qu'on met le SGLT2? On met avant le MRA ou on met tout le monde avec une titration. Donc, voilà, c'est ça ma question. Merci à Dr. Jemal. Question pratique, Léa, bonne question. Merci. C'est vrai que dans ces recommandations, ils n'ont pas parlé de l'ordre d'introduction des traitements, mais dans la pratique, ça serait en fonction du profil du patient. Par exemple, si c'est un diabétique en préféré, surtout les SGLT2, si c'est un insuffisant rénal, il a une fonction rénale un peu altérée, on peut introduire tout ce qui est IEC et faire attention un petit peu avec l'aldactone. Donc, c'est plutôt pas selon le profil du patient, mais on va essayer de les donner au final. On doit avoir les quatre ensemble. C'est la meilleure combinaison, mais en faisant attention à la tolérance.
Les quatre en parallèle. Les quatre en parallèle. Oui, j'ai assisté à la prime time session, donc avec M. Metra, qui est le chairperson de ces guidelines. Donc, eux, ils parlent beaucoup plus de phénotypage de l'approche thérapeutique, comme vous avez dit. Mais la titration, elle doit être la plus rapidement possible, tailored avec la tolérance du patient. Donc, si le patient il tolère toujours, donc, la titration, elle doit être rapide. D'accord. Et non pas, par exemple, quand vous dites un diabétique, le diabétique, il a trois médicaments en sa possession. Donc, on rajoute aussi la glyptine. Il y a un médicament ajouté, mais là, on a deux. On a la dapagliflozine et l'empagliflozine seulement qui sont validés pour les patients qui ne sont pas diabétiques. Voilà, c'est une titration rapide. Il ne faut pas attendre une semaine, 3 mois ou là, 6 mois pour ajuster le traitement. Voilà. Oui, effectivement, on doit faire... indiquer d'autres thérapeutiques, notamment la CRT, le DEF et tout. Voilà. Oui, effectivement, on doit donner les 4 traitements et en faisant attention à supprimer les médicaments contre-indiqués tels que la saxagliptine, exactement, chez l'insuffisance cardiaque à effet réduit. C'est vrai. Merci. Juste pour ajouter une remarque, dans le full text, ils n'ont pas précisé est-ce qu'il faut commencer par IUC ou bêta-bloquant. Ils ont dit qu'ils ont pas comparé une approche de titration, mais il y avait une étude en cours, c'est l'étude 30, pour essayer de proposer comment titrer ces médicaments en fonction du profil aussi. Barani, Slimane, vas-y, Slimane. Oh là là, Manesh, où est le Slimane? Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Voilà, vas-y, Slimane. Eh bien, bonsoir. Alors, je tiens à vous féliciter pour cette belle présentation. J'ai juste une petite question concernant ces 4 thérapies de première intention ainsi que les dispositifs implantables. Quelle est leur place chez les patients insuffisants rénaux et chez les patients dialysés? Et quelle est la meilleure combinaison, par exemple, de traiter un patient chez les patients non insuffisants rénaux ou bien est-ce qu'il y a des précautions particulières, surtout avec le risque d'altération de la fonction rénale et le risque surtout d'hypercalémie? Merci. Allez-y, répondez. Merci, docteur Bolani, pour cette excellente question. Alors, pour l'insuffisant rénal, d'abord, pour ces nouvelles molécules, les STAR, les inhibiteurs de SGLT2, actuellement, la dapagliflozine, elle est contre-indiquée que si la clairance est inférieure à 30, car l'étude était faite chez une population dont la clairance est supérieure à 30 ml par minute. Pour l'empagliflozine, on peut aller jusqu'à 20 au maximum. C'était les résultats des études, sachant qu'ils ont prouvé une amélioration des événements rénaux. Donc, pour le moment, on a ces cut-off, mais on ne sait pas encore, ça peut changer. Le reste des médicaments, c'est-à-dire IEC, ARA2 et autres, il y a des tableaux bien précis dans les supplementary data qui précisent les modalités de leur utilisation. Bon, pour les anti-aldostérone, ils sont contre-indiqués. Pour les IEC, ARA2, la contre-indication absolue, c'est la sténose rénale bilatérale, donc on peut les introduire. Mais il faut bien suivre le malade, sa calémie. Et puis, ça reste une approche individualisée par la suite. Mais le suivi de ces malades est bien précisé dans des tableaux bien précis que je t'invite à lire aussi. Voilà. C'est bien. Y a-t-il d'autres questions? Je peux avoir un commentaire? Bien sûr, vas-y. Votre question par rapport aux ARA2 n'est pas totalement innocente. Voilà, donc dans la session, il y a le task force qui était présent. Eux, ils privilégient les IEC parce que les IEC, ils ont un niveau d'évidence clair. Et c'est basé sur plusieurs études. Et pour les ARA2, il y a seulement l'étude CHARM. Donc, on a parlé de l'étude CHARM.
il parle beaucoup d'utiliser les IEC, insister sur les IEC, et c'est les signes de tolérance. Il faut bien examiner le malade avant de dire, voilà, il est intolérant aux IEC ou pas. Donc, il insiste beaucoup plus sur les IEC que sur les ARA2. Voilà. Merci, docteur Dumel, pour votre éclaircissement. Alors, y a-t-il des questions? Amrouayash, Amrouayash est là. Alors, Ziana, qu'est-ce qui se passe à Douira? Alors, Amrouayash, parle, on t'entend. Amrouayash, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Allô, elle ne veut pas parler, Amrouayash. Allô? Oui, allô, on t'entend. Alors, Amrouayash. Oui, bonsoir. Très belle présentation. Merci beaucoup. Les recommandations ont été très, très, très éclaircies comme ça. C'est toujours au niveau de la cardiologie A2. Et Douira, comment que ça se passe? Ça va, ça se passe bien. Très bien. Et c'est très bien. Félicitations aux différents présidents. Très bien. Je n'ai pas de questions particulières. Juste un peu tous un peu déçus par rapport à l'insuffisance cardiaque AFE préservée, le fait qu'il n'y ait pas rien de. Enfin, en tout cas, sur le plan thérapeutique, rien de nouveau. Ouais. Mais voilà. Très bien. Mohamed Mahdi, vas-y, tu as une question, tu as levé la main. Vas-y. Moi, j'avais juste deux remarques à faire à propos des questions précédemment posées, à propos de comment commencer le traitement d'insuffisance cardiaque chronique. En fait, le traitement séquentiel, c'était recommandé en 2012, mais à partir de 2016, en fait, il fallait associer les deux, c'est-à-dire bêta-bloquant, IEC en première position, puis revoir après 3 mois l'indication de l'aldostérone si le malade est toujours symptomatique. Mais à partir de 2016, c'est-à-dire il n'y avait plus de place pour le traitement séquentiel. On disait que c'était selon le profil de l'hospitalisation du malade. Si le malade était toujours congestionné, il fallait commencer beaucoup plus par avec un IEC. Dès qu'on sort de la décongestion un petit peu, on peut introduire le bêta-bloquant. Mais après, on a démontré qu'il n'y avait pas de préférence et on pouvait donner les deux à la fois. Maintenant, on nous dit après. Et entre 2016 et 2021, il y a eu une pratique américaine qui était beaucoup plus agressive et dans laquelle on donnait les 3 médicaments à la fois sans attendre les fameux 3 mois des symptômes du malade, en se basant essentiellement sur les propriétés anti-remodelage précoces qu'a l'anti-aldostérone. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut donner les 4 à la fois. Et c'est basé essentiellement sur le profil très safe de la dapagliflozine et des nouvelles thérapeutiques, parce que c'est des thérapeutiques qui n'ont pas beaucoup de contre-indications, hormis bien sûr qui n'ont pas été testées chez les patients avec une clearance inférieure à 30. Et il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas des limites par rapport à l'effet hypotension, à l'effet délétère sur la fonction rénale ou sur l'hyperkaliémie. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était par rapport aux patients qui étaient insuffisants rénal chronique avec parfois une indication pour la dialyse. Et comme l'a dit Dr Djouhri, il faut faire du cas par cas, mais en ce qui concerne la thérapie instrumentale, c'est des malades qui font de très bons candidats, encore une fois, quand ils ont les critères pour une resynchronisation avec un CRTP et non pas un CRTD. C'est-à-dire c'est un critère de choix quand on veut choisir la prothèse pour le malade. Si on veut l'implanter, c'est plutôt en faveur d'un CRTP. Et une nouvelle indication aussi, chez les malades qui sont dialysés avec des fistules artério-veineuses, on préfère toujours garder le capital, c'est-à-dire le capital veineux chez eux au maximum. Et même s'il y a une indication, par exemple, de pacing, conventionnel, c'est des indications pour un leadless pacing, c'est-à-dire un pacing sans sonde. Mais pour le DEF, il faut savoir que c'est des malades qui ont une espérance de vie qui est très, très limitée. Donc déjà, la condition d'une espérance supérieure à une année, elle n'est pas facilement rempli chez eux. Donc, c'est des malades qui ne font pas de très bons candidats pour la thérapie de défibrillation. D'accord, merci. Sik, Rizqi, à toi la parole. Oui, salam alaikum.
Bon, je voudrais parler de diagnostic de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, juste pour rappeler qu'on peut, dans les cas où on n'arrive pas à faire le diagnostic, d'utiliser le cathétérisme cardiaque droit. Donc, c'est décrit dans les recommandations au grade de B. Donc, où on pourrait faire des tests de remplissage par du sérum salé, donc isotonique, qu'on va, donc, soit par voie centrale ou voie veineuse, et on fait monter une sonde de Swan-Ganz, et on calcule la pression capillaire, si elle augmente au-dessus de 20 mm mercure, on peut faire le diagnostic par le cathétérisme cardiaque dans les cas où on a des difficultés pour faire le diagnostic. Donc, le cathétérisme cardiaque droit peut être utilisé pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est ça, c'était mon intervention. Merci pour cette... J'ai un petit commentaire pour... Merci, Dr Sik, pour votre intervention. En fait, c'est vrai. D'ailleurs, dans ces recommandations, ils disent qu'il y avait des scores qui ont été utilisés auparavant, deux types de scores. Mais quand on utilise ces scores, c'est-à-dire que, par exemple, le score qu'on utilise en 2019, c'est un score qui est un petit peu compliqué, qui, chez la plupart des patients, tombe dans la catégorie intermédiaire. C'est là où on passe vers les autres examens complémentaires. On fait l'écho de stress pour rechercher les signes de dysfonction diastolique à l'effort. Et si on ne trouve pas de signes de dysfonction diastolique à l'effort, là, on passera au cathétérisme cardiaque au repos pour les faire. Et le cathétérisme cardiaque à l'effort, ils ont dit que c'était vraiment très peu recommandé. Donc, en résumé, ces recommandations de 2021, ils ont essayé de simplifier le diagnostic pour tout cardiologue en mettant en évidence quelques critères. Après, si le cardiologue, c'est-à-dire il doute toujours sur le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il passera aux examens complémentaires tels que l'écho d'effort et le cathétérisme cardiaque. Très bien. Absolument, oui. Alors, très bien, très bien. Y a-t-il des questions encore, des mises au point, des gens qui veulent intervenir? Chaouch, notre invité, Chaouch, qui pose des questions et qui se demande, est-ce que chez tout le monde maintenant, même chez les non-diabétiques, bien évidemment, les inhibiteurs de la SGLT2, ça va être systématique. Et on a un de plus chez le diabétique qui est validé, sinon c'est les deux. Chaouch, vas-y, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci pour la présentation. Ravi de revoir mon service. Ça fait du bien, comme l'a dit Madame Amrouayach, d'avoir la petite dose du A2. Alors, je me demandais quelle est l'expérience du service avec ces nouvelles molécules. On est un peu peut-être hésitant à les mettre, on les maîtrise pas. Quelles sont les règles générales de l'usage de ces nouveaux antidiabétiques oraux et du valsartan sacubitril, si mon service a vraiment d'expérience pratique, disons, sur leur usage. Je vous remercie. Ah, les inhibiteurs, on n'a pas de... Par contre, le sacubitril valsartan, on a une petite expérience, mais pas énorme. On a quelques malades. Hein. Peut-être German, est-ce qu'elle est avec nous, la Rahat German? Elle a peut-être une vingtaine de malades. Mais avec les inhibiteurs de SGLT2, on n'a pas d'expérience encore. Hein. Ils ne sont pas commercialisés. Et on va mettre... Déjà, à l'introduction des recommandations de l'année dernière, on savait qu'il y avait une classe qui était remboursée chez les militaires. Je ne me souviens plus, peut-être c'est Jardiance, mais je ne suis pas certaine. Je me dis qu'il y a quand même une série... Il est suivi par nos... Mais par les diabétos. D'accord. Donc par les diabétos. Ils donnaient ça pour la diabéto, pas pour la... Ça, c'est pour l'insuffisance cardiaque, tout venant. Donc, ça va être vraiment une prescription. Et puis, c'est du 1A. Donc, c'est quand même des arguments solides. Exactement. Donc, on doit s'y mettre et on doit les introduire. D'abord, on doit les introduire. Il faut les introduire
pour l'AMM, pour le ministère, et c'est déjà qu'on essaye avec le sacubitril valsartan depuis plusieurs mois, et ça ne marche toujours pas. On n'a toujours pas d'Entresto sur le marché, alors qu'il devrait être remboursé. C'est un médicament qui devrait... Moi, on m'a mis dans une commission de médicaments de cardiologie au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Je ne sais pas comment je me retrouve dedans. Donc, j'ai donné l'Entresto et les inhibiteurs de la CGLT2. Donc, déjà, donc, deux médicaments. Vous anticoagulants oraux aussi, monsieur Bonfata, ça fait quelques années. Oui, mais ça, c'est depuis plusieurs années qu'on en parle. Du Xarelto, de l'Ivaroxin. Oui, bon, ben. Si je comprends bien, si je les prescris pour un patient, je serai hors un même. Non, ça ne sera pas remboursé, ma cage. Oui, en dehors du remboursement. En dehors du remboursement. Non, tu n'es pas hors un même. Non, maintenant, ils vont faire partie des médicaments. Mais ma cage, déjà, il n'y en a pas. Je ne sais pas si. Je pense qu'il peut. Les patients peuvent s'en procurer quand même de l'étranger, mais. Ah bon, c'est, ça sera comme l'Entresto. Exactement, oui. D'accord. Mais j'ai bon en France. Merci. Ce qui est de l'empagliflozine, je pense, j'ai vu un article de presse qui parle que Hikma, le labo Hikma, il va commercialiser l'empagliflozine 10 mg. Et juillet dernier, Barc a eu une conférence. Ah, il parle de ça. Il y a plusieurs labos qui vont. Mais le problème, ce n'est pas la commercialisation. Les AOD sont commercialisés, mais ils ne sont pas remboursés. Et c'est cher. C'est maintenant essayer de valider ça au niveau du ministère pour qu'il soit remboursé. Le ticagrelor, jusqu'à présent, il n'est pas remboursé. Alors que c'est une forte recommandation, le brilique. C'est ça le problème. Un médicament, quand il n'est pas remboursé, il va être difficilement prescrit. C'est cher, c'est des médicaments chers. Qui m'a trompé, qui coûte combien actuellement? 6 000 dinars. 150 à 8 000 dinars. Et tu vois, donc difficilement, beaucoup de gens reviennent au centre. Donc il faut faire pression. Il faut faire pression pour le. Zidou, est-ce qu'il y a. Bon, c'est vraiment une discussion intéressante, hein, très riche. Donc, on remercie tout le monde. Hein, on remercie tout le monde pour cette discussion qui a été enregistrée et qu'on mettra sur...